Bonjour à tous et à notre jeu service, bienvenue pour votre feuilleton policier préféré que j'ai décidé de renommer la dernière fois Ace Attorney 4 Apollo Justice, l'œil de la justice, parce que nous avons le pouvoir de l'œil. Et petit résumé de l'épisode précédent. Alors déjà l'émulateur est en train de me faire n'importe quoi depuis tout à l'heure, donc c'est génial. Dans l'épisode précédent, qui a été une phase d'enquête d'environ 1h20, nous avons appris un petit peu plus sur Agita Talia, la fiancée de Willy Kitaki, avec qui il devait se marier, et un peu plus sur Willy Kitaki lui-même. Comme quoi, il est sur le bord de la mort à cause de la balle près du cœur qui se déplace au fur et à mesure des battements de celui-ci et des poumons. On lui donne à peu près 6 mois à partir du moment où il a été blessé, et ça fait à peu près 6 mois aujourd'hui. Mais Agita Talia est en effet passée de simple témoin à suspect, car elle était infirmière de Willy Kitaki à ce moment. Et plusieurs indices trouvés, notamment une paire de sandales et une paire de pantoufles retrouvées dans la poubelle près du lieu du crime du docteur Meratkis, font penser que peut-être qu'elle a joué un rôle un peu important dans cette histoire. Mais cette affaire va être résolue, je pense, car nous avons toutes les pièces en main, toutes les preuves, et nous avons l'œil pour dénouer à la vérité. La défense est prête. Oui. Et bien sûr notre cher Conrad, toujours là, toujours beau. Nous n'en reparlons pas de cette affaire de vol de sous-vêtements. Et nous avons aussi découvert un nouveau gameplay, à savoir mouler des empreintes de chaussures. C'est une feature incroyable à base de plâtre et de sèche-cheveux et d'encre. Voilà. Autant vous dire que c'était une incroyable phase de gameplay. Ouh. C'était génial. Ah, comment ça? Ça contribue. Oh putain, c'est fiancé, oui. Alors, ils sont pas mariés encore, hein. Calme-toi, mon cher Conrad. Cette vénère. Voilà, et cette personne-là, j'avais un doute dès le début de l'épisode. Genre, dès le début, quand elle m'a dit bonne chance avec ses doigts et son petit sourire en coin, là, je l'ai vu là. J'étais pas sûr, et là maintenant, je suis sûr et certain. Et il faut que nous regardions bien ses gestes, ses manies, afin de découvrir la vérité. C'est très important. Son projet criminel, hein. Ah, ça commence direct. C'est parfait. Ça va aller vite. Je le sens que ça va aller vite là. Et à chaque fois que je dis ça, c'est genre au moins 1h30. Alors. Oui. Mmh.
Très très bien. Très très bien, très très bien. Elle a bien été fatale, l'aile. Mais tout cela me semble... Oui, alors les stries, on connaît. Ça va, j'ai regardé les enquêtes impossibles de Pierre Belmar, je connais. Qui est une très bonne série de documentaires que je vous conseille vraiment. Notamment en plus parce que le doublage FR est plutôt bon. Alors moi c'est simple, je t'écris une phrase. Une seule. Ah, l'émulateur. Calme-toi. Alors, je ne peux pas utiliser mon bracelet, le bracelet mystique. Hein. Ce qui veut dire que cette phase, c'est donc dans les paroles qu'il va falloir attaquer. Et la seule chose que je vais attaquer, c'est ceci. Parce que plein d'autres personnes auraient pu faire le coup, notamment son père, sur un coup de tête, même si ça me... Oh, calme-toi, Conrad. On ne frappe pas le mur. Je ne le harcèle pas, l'émulateur, calme-toi. La logique. Ouais, ouais, si je connais. Bah ouais. J'en suis certain. Sûr et certain même. Mais enfin, mon cher juge. Procédons déjà par élimination. Tatillon, non. Miratis, il est mort. Winnie, il l'a pris. J'aurais pu dire le père, mais je suis pas certain. Alors, petit ange. Non. Bon, non, 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 non. Non, non. Et je me dis quand même. Ce serait quand même ballot que Alita Thalia, future fiancée de Kitaki, n'ait pas accès à l'armerie. Ce serait quand même un comble. Puis en plus, je l'aime pas. Donc, voilà. Ah bah ouais. Impossible. Ah bah non. Voilà. Non, Conrad, je ne suis pas d'accord avec ton objection. Ah, je ne suis pas d'accord. Elle l'a emprunté à la famille. C'est pas pareil. Attention à ce que tu dis, Conrad. Hein. Déformer mes propos, je ne suis pas aussi conciliant. L'émulateur, je ne serai pas aussi conciliant, par contre. Ça commence à m'énerver. Je pense que c'est à cause de la musique que c'est en train de faire n'importe quoi. Ah. Oh, oh, à mobile. Ah, mais oui. Ah là 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 là. Oui, je commence à croire que la police... Non, en fait, j'aime. Je commence à croire que la police fait mal son travail. Un peu comme toute la police... actuelle. Est-ce que par hasard ce serait pas ce fameux rapport médical? Apprends ça! Oui. D'ailleurs, c'est très chiant à lire, c'est mal écrit. Elle commence à suivre un petit peu là. Là, j'ai. Il y a une petite faille. Il y a une petite faille là. Ah là, oula! Ah là, par contre. Il y a quelque chose. Elle commence à craquer. Il y a une fissure, je la vois. Ah là, là là, ça commence. Ça commence. Oui.
Alors, entre autres, pas tout, mais quand même le plus important. Je suis pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord que tout. Ouais, ce qui me laisse être l'épisode de l'émulateur qui marche pas. Ah, tu m'étonnes. Et oui, mon cher Billy, oui, effectivement. Ah, mais ça, j'ai une preuve incroyable. Alors, tu vas pas me croire, mais j'ai trouvé des sandales à la clinique. Si ça, c'est pas une preuve, je sais pas ce que c'est. Bah, prends ça! Alors, en plus. Ah, mais oh, la couronne est étrange de mon côté, par contre, c'est étrange. On sait pas trop ce qu'il fait, Conrad. Oh là là. Oh, je déteste ce genre de personne qui gueule, qui exprime ses sentiments tout haut. Non, c'est pas un bon exemple. Oui. Oh, ouais. Ah, vas-y, moi tout. Yes. Ah, alors, mensonge au tribunal. Attention. Attention, madame. C'est très grave ce que vous faites. Ce jour-là, alors. Ok. Ouais. Aucune autre raison d'y aller. Aucune autre raison d'y aller. Ouais. Ouais. Oui. Ah, mais ça! Ah, ça! Ça, je sais ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Ah, merde. Ah, par contre, il l'a dit. Mais je sais pourquoi, moi. Gavin, qu'est-ce que t'es en train de me faire, voilà? Gavin, je sais pas à quoi tu joues, mais très fort à le jeu. T'es plus fort que Benjamin, d'ailleurs. Vraiment très fort. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on se rapproche d'un niveau de Francisca? Je me tâte, hein. On n'est pas loin. On est au-dessus de Benjamin, mais on est un tout petit peu en dessous de Francisca. C'est pas mal. Par contre, la musique est en train de me casser tout l'émulateur. Ouais, alors ça, hein? Ouais, aucune autre raison. Eh, te fous pas de ma gueule, hein. Oh, c'est bon, je les connais. Ça, c'est facile, ça, madame. Ouais, vas-y, suis-moi, suis-moi. Moi, je sais. Ah. Tu voulais cacher les preuves? À vous. Dis-nous tout. Stimulator qui est en train de me... C'est énervant, je m'en excuse, mais je ne comprends pas. On va dire que c'est la faute à l'ordinateur, ouais.
Comment ça? Ouais. Ah bah... Allez. Oh, je vois l'œil. Tu mens. Alors là, tu mens. Là, tu mens. Oui, vas-y. Le sixième sens. Ah. Ou alors c'est parce qu'il y a un pouvoir spécial, c'est comme dans le Megatana. Magatana. C'est à moi de me démerder. Yes. Allez. On sait toujours pas d'où vient ce bracelet. Voilà. Mmh. Oh, c'est très fort parce qu'on ne voit pas. Absolument pas. Le tic. Donc du coup, il va falloir activer le bracelet. Alors. Je cherche. Qu'est-ce que... Ah, attendez. Oh. Entendre. Attendez, il y a quelque chose là. Attendez, il y a quelque chose là. Il y a un truc. Je te vois. Donc c'est bien à cause de la musique qu'il met ta rhum du cul. C'est bien ce que je pensais. On est sur le point de flancher. Le coup de grâce. À cause, il est où? On va y arriver. Non. On va y arriver. À cause du bilan de santé de Willy. Exactement. Un bilan de santé, oui. C'est... Oh, calmez-vous. Non, t'as hésité. Ah ah! Je te tiens. Très belle image, je pense que je vais l'utiliser. Alors lui, il a rien compris. Il a rien vu. On était dans un autre monde. Ah bah complètement. C'est... Non. Ce grand front, j'ai pas un grand front. J'ai des beaux cheveux. Bah oui. Elle a menti. Est-ce que c'est fou?
Incroyable même. Alors, vas-y. Elle le prend super bien. Elle le prend tellement bien. Elle est smooth. C'est beau. Ouais. Enfin, démolit une partie. En raison. Ah. Oh, c'est la rampe de deux. Oui. C'est du foutage de gueule. T'es en train de te foutre de moi. Je suis pas d'accord. Ah mais je vais vous frapper tous les deux en fait. T'as une petite claque, la petite taloche. Eh ben, on est obligé. Alors là je suis bloqué. Là je ne sais pas. Ouais. Monsieur chapeau, incroyable attaque. C'est fou. Ouais. Bah c'est ça le problème. Oui. Essaye quand même de prendre. Non je suis en train actuellement d'imaginer le scénario en fait. Alita est allée est allée à la clinique, aller voir le docteur, l'a prévenu et elle a fouillé, elle s'est enfuie. J'ai peut-être une idée. Et ça, je vais tenter un espèce de coup de bluff. Je sais pas si ça va marcher. La balle qu'on a retrouvée dans le coffre. Je sais pas si ça va être ça. C'était ça. Oh, ce coup de bluff, ce coup de génie. Ça voudrait dire qu'elle a pris une arme, qu'elle a menacé le docteur. Mais alors attends, si elle a menacé le docteur, le coffre s'est ouvert, qu'elle a tiré dans le coffre. Quand il était ouvert, quand ça se fait que le vrai rapport est toujours là. Je ne comprends pas. Un petit tas de boue. T'as une très mauvaise vue. Si je pouvais te faire un doigt dans une cour. Oh là là. Dans le coffre. Alors, oui et non. Non, la police n'a pas pu ouvrir un coffre. Ah, Conrad. Ah tiens, tu ne savais pas, Conrad. C'est bizarre. Parce que la police est trop con. Mais oui. Ah merde. Injection. Oui, vous savez les stries, vous l'avez expliqué en plus tout à l'heure. Ouais. Conrad. Mais comment tu te fous de ma gueule? Oh Conrad, tu es. Ah trop. Très rapide, en France on n'a jamais ça. Ah ah. Donc, tirer avec la même arme. Intéressant, intéressant. Oui, oui, oui. Voilà qui est. Oui, jusqu'à. Alors, quand? Je sais pas. Oui. Jusqu'à ça se tient. Ah, j'en suis même certain. Voilà. Est-ce que je suis obligé de le redire encore une fois? Non. Oui. Peut-être. Je sais pas. Oui.
Ah mais complètement, je l'accuse depuis... Depuis le début, enfin pas depuis le début, mais voilà, juste parce que ça, je l'accuse depuis à peu près 2 heures de jeu. Le cœur, mon ami. Ah bah oui, écoute. Hein. Ah, le génie. Quel génie ce juge qui m'a fait une objection. Ta gueule, Willy. Ferme ta gueule. Oh, ah, ce Willy. Ah, l'amour. L'amour, je connais ça, ça. L'aveuglement. Ta, je connais. Ne soyez pas aveugles, les enfants. Réfléchissez toujours. Tu as... oui. Hop. Oh, la fille. Alors, pas vraiment. Oh là 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 là. Oh. Ok, donc oui. Je sens qu'il y a un truc pas louche derrière. Il y a un truc. Il y a quelque chose encore qu'on sait pas trop. Il y a quelque chose encore. Oula. Oula. Ah, c'est ça. Les révélations vont commencer. Oh, ça y est. Oh là là, ça y est. Oh là. Ah, ça y est. Et là, tel un claquement de noix, de doigts de Thanos, son cœur va se briser. Faut pas que je fasse des blagues sur son cœur. Ah si. Ah si. Oui. Laquelle était-ce? À moi? Oui. Mais abusé. Non, accuse. Pff, oh là là. Elle quel cri. Elle marque un point là, je crois. Ah merde. Oui. Vénal. Vénal, attention. Quoi? Ah, comment tu retournes? Elle retourne tout là. Trop. Pourquoi t'as ouvert ta gueule? Pourquoi, Willy? Non, Conrad, non, Conrad. Il n'y a pas les empreintes sur l'arme. Il n'y a pas ces empreintes sur l'arme. Il n'y a pas ces empreintes sur l'arme. Aussi, justement, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange depuis le début. Pourquoi il y a toujours un rapport? Oh oui, parle-moi de toi, j'aime ça. Ah. Ok. D'accord. Oh, une seconde. Oh, une seconde, il y a un truc qui... Oh. Oh, il y a une corrélation qui vient de se faire dans mon esprit, là. C'est...
Il y a une fulgurance. Ouais, bon, ça m'étonne pas que c'était elle, hein. Ça m'étonne absolument pas. Enfin, ce qui m'intrigue surtout, c'est la lampe posée. Ah bah oui. Ah bah, ça sent les gangsters. Ça, oui, bon, les gangsters sont un peu plus discrets, madame. Merci, mais attention. Ah bah ça, c'est toujours comme ça. Pour éviter de payer pour un meurtre, on dit oui, j'ai fait un petit cambriolage. Tranquillisé. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ça c'est vrai. Actuellement j'en ai pas encore. Ça par contre tu vois, j'en doute. Ah, le plan. Le fameux plan. Oui. Tempe droite. Exactement. Oui. Il a crié. Et l'animateur est en train de me péter les murs. Il a tourné la tête. Et pan. La tempe droite. Mais. Mensonge et calomnie. Que voilà. Et oui. Est-ce que je peux te mettre une claque, s'il te plaît? Ça me démange, tu vois. Des chips, des gaufres. C'est pas bon le lait, sachez. Oui. Ouais, bah, je sais pas trop, hein. Objection. Et qu'on rate la ferme. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui. Ils ont un problème avec mon front, en fait, je pense que c'est ça. T'es pas en train de me faire un didacticiel sur le plan par hasard? T'es pas en train de me faire un didacticiel que j'ai déjà vu il y a un moment? Si, ils sont en train de me le faire. Il était ailleurs. Je suis sûr et certain qu'il était ailleurs. Ouais. Objection. Qu'est-ce que t'as, Conrad? T'as un problème? Tu veux te battre? Et maintenant que tu fais un solo, juste boîte. Tu veux jouer? Ah, tu veux jouer? Ça a augmenté d'un con. Donc. Ce lapsus. Yes. Ah bah alors là.
Attention. Alors, je rappelle les faits. Tati Moté ici d'après les marques de chaussures. Willy Kitaki d'après les marques de chaussures se trouvait ici. Là se trouvait une seule empreinte. Des pantoufles de Taïlia. Ce qui veut dire que techniquement, si jamais elle était là, c'est une balle dans le dos, c'est mort. Donc elle devrait se trouver ici. Techniquement. Techniquement, ça se trouvait là. Ou bien juste là. Mais admettons. Admettons. Ou alors, attends. Ou alors elle se trouvait juste là. Oh, je sais pas, j'hésite entre là et là. Mais je pense que ici. Allez, ici ça me paraît culotté. Allez, vas-y, je tente. Allez, je tente. Et oui. Oh, la 3D. Alors là, la 3D, meilleure feature du jeu. Ouais, il se tenait là. Donc, je peux pas vous montrer la souris, c'est con, mais sachez-le, il était. Voilà, il lève la main. Il faisait un cri. La victime a tourné la tête. Tourné dans sa direction, voilà. Un coup de feu, victime touchée à tempe droite. Quoi ou non? Aussi. Regarde bien. Oh, un génie ce juge. Un génie. Incroyable. Non mais bravo. Je suis estomaqué. Exactement. Ouais, je le dis haut et fort. Oui. Exactement. Enfin. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose. Ok, oui. Oui. Baby. Eh bien, j'ai la preuve, tu vas rire. Elle est dans ma poche. MDR. Ah, la preuve. Oh non, il n'y a plus les doublettes. Alors tu vas rire. C'est des pantoufles, MDR. Et prends ça. Prends ça. Et une empreinte qui était bon à côté, voilà, à gauche, enfin gauche, ouais. Ah, je la laisse un peu. Allez bien cette musique. Ah ah, je te tiens. Ah t'es pas Isaï. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Cherche un air. Alors il y en a une à l'intérieur. Voilà. Tiens. Objection. Mais pourquoi? Tu te fous, mais tu cherches la petite bête, Conrad. Alors tu vas rire, j'ai retrouvé des bols dans la clinique. C'est con. C'est fou de se dire ça. Genre plein de bols. Ah bah. Ouais. Ah salut.
Oui. Ouais. Et tu vas rire. Regarde bien ce bol. Regarde mon bol. Et alors? Eh ben, il y en avait plein à la clinique. Genre, t'as débordé. Ah bah, t'imaginais même pas. Jamais. Des révélations de Guédrin. Alors qu'il y en a une qui est en train de réfléchir. Invention. T'es en train de... T'es sérieux là? Oh oui. Woody Kidrag, j'ai envie de voir ça. Moi ouais, j'ai une hypothèse, elle se tient. Elle se tient. Elle se tient. Bon, elle se tient un peu bancale, mais elle se tient. Donc fais attention. Allez, c'est le dernier round. Allez. Font des choses. C'est dégueulasse. Oh, c'est dit. Ah, je déteste. Je regrette d'avoir regardé Jour du Grenier. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Je vois rien. Je vois rien. Ça se tient, hein? Je vois rien. D'accord. Bon, 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 bon. Ah, je peux utiliser mon bracelet. Bon. Là, je sais pas. Là, je ne sais pas. D'accord. Ça j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je vois pas. Je pense que c'est la dernière phrase où elle ment. Je suis sûr que sur la dernière phrase elle ment. Mais alors. Ah, peut-être. Ah, là ça me paraît être un bon endroit. Ouais. Bah attends, attends. Je vois. Je suis sûr que c'est là, mais... Là. Ça bouge. Ça a bougé, je l'ai vu. Ça a bougé, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Tu mens.
pour la deuxième fois. Ça fait deux fois que tu me mens. Tu touches ton foulard. Ouais, je le vois. Donc, elle n'a pas fait que lui parler. D'accord, d'accord. Par contre, c'est très chiant l'émulateur. J'espère que c'est bientôt fini. Ah, allez, tiens le coup. Je pense savoir pourquoi ça range, c'est à cause de l'enregistrement. Parce que mon Proco n'est pas assez puissant. Cette lampe est en train... Je suis sûr que c'est la lampe. Je suis sûr et certain que c'est la lampe. Il y a quelque chose qui ne coïncide pas avec cette lampe. Est-ce que Talia est blessé au cou? Oh, je l'avais pas vu venir. C'est le seul truc que j'ai pas vu venir. Oh, c'est fort. Oh, ils m'ont eu. Oh, le jeu vient de m'avoir. Oh, il est fort. Je l'avais absolument pas vu venir. Objection! Conrad, nique-toi. Non. Alors là, j'avais pas vu venir celui-là. Oh, ce... Waouh. Ok, c'est bon. J'avoue, j'avais pas vu venir. Ah, si tu refuses de te tempérer. C'est un foulard. Ah, allez, retire le foulard. Ah, si elle est blessée, c'est du génie. On a tenté de la tuer. Oh. Ah là 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 là. Une marque de strangulation. C'était elle. Oh, putain, je suis incroyable. Ah, elle craque. Je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir. Oh là 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 là. Oh, ça y est, je sais. Ça y est, je pense savoir ce qui s'est passé. Elle l'a menacé, le docteur s'est défendu. Elle a dû tomber dans les pommes, mais pas assez pour mourir. Le docteur a volé son grenouille, a balancé les bols. Il a mis, croyant Alita morte, dans le stand pour se débarrasser du corps, et il est tombé sur Willy, qui le menaçait. Alita s'est réveillée à ce moment-là, enfin pas à ce moment-là, mais pendant le voyage, à cause sans doute des chocs. Et quand Tatillon a crié qu'elle a tourné la tête, elle a tiré.
agressé. Oui. Et strangulé. Oh là là, quelle belle image. Voilà, c'est ça. Elle s'est évanouie, mais pas assez pour mourir. Oh non, par contre, ça c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Arrêtez de faire ça, c'est chiant. Il n'y a pas d'émotion. Je sais ce qui... J'ai deviné à peu près, je dirais, 98% de ce qui s'est passé. Oui, je pense. Oh. Ah bah voilà. Très content. Ouais. Non, 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 non. Non, 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 je suis pas d'accord, monsieur le juge. Ah bah alors ça, tu sais, c'est très fort. On est tous tendus, je pense. Je suis pas d'accord. Ah, c'est croate. C'est croate, c'est croate. Ok, c'est croate. Est-ce que tu viens de m'offrir une fleur? Est-ce que t'es en train de m'offrir une fleur, Conrad? Par hasard. Il est en train de m'offrir une fleur. Je sais pas quoi penser de ce mec. Un coup il est sympa, un coup il est pas sympa. Ah, je ne sais pas. Mais je suis sûr et certain que c'était elle. Mais oui, j'ai établi une hypothèse. Je suis sûr que c'est ça. Ah bah ouais. Oh là là, comment il retourne la situation. Il a emprunté, hein, avec des guillemets par contre, s'il vous plaît. Yes. Oui. Puisque ça se tient. Elle s'est fait agresser, étrangler, à demi-morte. Ah moi je l'ai déjà fait. Non mais... J'ai pas un front luisant. Le docteur Mertis. Oui, regardez ce stand à nouilles. Il a pris le stand à nouilles de Eldoun. Que le train était trop lourd ou que peut-être qu'il n'y avait pas assez de place. Wink wink, clin d'œil, clin d'œil. Eh oui, ça te choque? Oui. Ah ben non.
Je suis pas fou, je suis réel. Il est tombé sur notre cher ami Willy. Comment ça? Pardon? Oh. Oh là là. Non, vous faites exprès? Non. Non, non. S'il vous plaît. Franchement. Ah mais j'ai l'idée, j'ai tout là, j'ai l'œil. Non mais... Franchement, vous ne le voyez pas. Regarde, ça c'est un chemin, ça c'est le stand, là tu vois c'est un arbre, là c'est une poubelle, là c'est un banc, et là qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais... Eh, hey, ce serait pas une rivière. Genre une rivière assez profonde pour cacher un corps. C'est fou quand même ce qu'on trouve dans les parcs. Et... Oh, moi ça me sidère les rivières, là, je... Ah, je ne sais pas, Oui, bah, caché encore, noyé. Ça fait quoi alors d'être ancienne future morte, pour de vrai? Elle s'est trouvée à l'intérieur, je suis casse d'acier. Regarde bien. Tac, incroyable, Willy ralentit incroyable. Il crie, tac, il tourne la tête, et à l'intérieur. Ouais, ça fait. Talia, pan, l'Avastos, dans le crâne. Oui. Voilà, animateur, s'il te plaît. Quoi? C'est tout? T'es sérieuse? Ah bah oui, alors là je l'attends. Alors là je l'attends. Voilà, donc t'as pas... T'as rien. Ah. De quoi? Ah, Gavin! Je pensais que t'étais mon pote! Ce personnage m'ennuie. La voiture du docteur. Oui. Oui. En effet. En effet, effectivement, ça se tient. Ça se tient. Oui, vérité. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Ah. Oui, l'accident de Phoenix Wright, c'est vrai. C'est fait renverser par une voiture. Mm-hmm. Ah zut. Ma coiffure est très bien, ok? Respecte-la. Ah là, par contre, ouais. Je suis en train de réfléchir, faut m'aller paix. Ce que j'ai appris. Attends une seconde.
le rétroviseur, c'est pas suffisant pour que pour dire que il y a un accident. D'autant que le rétroviseur, c'est juste l'accident de Phoenix Wright. Qu'est-ce qui pourrait faire que la voiture ne pourrait pas être utilisée? Le seul moyen, outre la panique, ce serait qu'elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas, c'est obligatoire. Et si elle ne marchait pas, c'est à... Oh! On remerciera Tatillon pour ça. Évidemment. Ah! Évidemment, Edgar Tatillon vient de me donner la réponse. La culotte était dans le pot d'échappement. Quand on bloque le pot d'échappement, ça peut difficilement marcher. Dans ton cul. C'est fou de se dire que ça va se terminer sur une culotte quelque part. Peut-être. Vous vous souvenez de Edgar Tatillon, le voleur de culottes? L'aile. Allez, 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 imitateur. Jusqu'au bout. Ah, tu ne savais... Oh, vous ne saviez pas, Madame Talia? Mais... C'est incroyable. Allez. Oh. Ce juge, quel génie. Tu sais, c'est un truc incroyable. Merci, Galant. Ah, c'est vrai. C'est dommage, hein. Ah, El Famoso, pot d'échappement. Ah, c'est dommage, hein. Ah, c'est... Ah, merci, Gavin. Et alors? Ah, Edgar Tatillon. Merci, Edgar. Oui. Ah là là, c'est fou. Merci, Gavin. Allez, on dit tous merci, Gavin, dans les commentaires. Alors, est-ce que ça se tient? Allez. Mais ils le prennent tellement calmement, ça me frustre. Ah, là par contre, c'est-à-dire que c'est fini, je pense. Ah mon dieu, oh, le passé. Ah. Donc là, c'est Talia quand on transporte le corps. Et pas dans les dans la tempe. Pas dans les dents, dans la tempe. Le jeu est choqué. Gavin fait une Thanos. Bon, allez, elle réfléchit. Balek. Moi, je suis solide sur mes deux points. Et elle sent Balek. Mais je m'en doute, hein. Alors, le public, il n'en a rien à faire. Là, c'est... On s'en fout. Eh oui. Ah là là. Ah, c'est con la vie, hein. Tu sais, il y a des trucs comme ça, je pense que Monsieur Roy doit avoir des anecdotes aussi, dans ce genre-là.
Mais moi aussi, je t'ai fait confiance. Je déteste ce genre de personne réellement. Mais vraiment, ça... c'est... J'aurais pu de mettre des petites baffes. T'inquiète. Oui. Alors. Voilà. Oh là là. Ah, ma chère Talia. Bel adversaire. Bel adversaire, vraiment. Ouais, et il serait capable de laisser passer ça, de laisser une criminette dans la nature juste parce que, ouais, tu vois, je suis le meilleur procureur. C'est beau, c'est beau. Ouais, pourquoi tu m'aides et tu m'aides pas en même temps? Ah oui, et non coupable. Yeah. Trop bien. Ouais, il met un jean, je m'en souvenais pas de ce détail. Allez, on fait la teuf maintenant. Ou alors joue. Ah mais attends, mais ma cliente elle vient de... Oh mais qui c'est qui me paye? Oh non. Qui c'est qui va me payer maintenant? Ah. Tu te fous de ma gueule. Ah merde, il est là. Mais t'es con. Mais t'es trop con en fait. Ah bah non. Ah bah non, alors ta gueule. Oh, c'est le papa. Monsieur Kitaki, bonjour. Eh ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai rien. Je te jure que j'ai rien. Bon, hein. Bon. Oh là, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Ah, ça me fait chier. Ça me fait chier de donner ça. J'ai pas envie. C'est triste. Il comprend pas ce qu'il y a. Ah! Ah! Attends. Ah! Il se passe un truc. Il y a un truc qui se passe là. Oh, oh mon dieu, il existait! Ouais. L'argent. Sale! Du con! Il comprend pas ça. Ah, c'est bras, si seulement. Oui. Oh, il a ouvert les yeux. Oh putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, ce con. C'est beau quand même. Si seulement, oui, je disais, si seulement toutes les personnes qui font de l'argent sale ouvraient les yeux. Comme lui. Bon, là, c'est littéralement ce qui vient de se passer. Et là vous voyez, il vient de fermer les yeux. Il est toujours. Oh putain, mais pleure, allez, chiale. Chiale ta mère, chiale. Chiale, bordel de... Oh là 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 là. Mais il est con, ce gamin. Il est vraiment trop con, ce gamin. Bonjour, monsieur. Oui. Ah, merci, monsieur. C'est un compliment. Je pense. Peut-être. Oh, une tarte au citron, trop bien. Non mais il avait un tablier, qu'est-ce que tu vous croyais? Et attendez qu'il me paye, trop tard. Merde. Bon, qu'il me paye. On a toujours zéro thune, hein. Ouais. Oh là là. Ah bon? Genre quoi? Ah oui. Ouah, c'est pas super important hein. Oui d'ailleurs le bracelet, j'aimerais toujours savoir d'où il vient.
aussi. C'est donc genre pas ce qui se passe sur le bracelet. Oui. On va manger des nouilles, trop bien. Ah ben oui, je veux manger des nouilles. Ah mais non, j'ai pas envie. Non, je vais pas voir ton spectacle. Yes. Ah moi je suis pas d'accord, je veux pas voir ça. Ah et c'est fini. Et ben ça aura duré un tout petit peu moins longtemps. Yeah, épisode 3 disponible. Trop bien. Bon, alors, on va... Du coup, non, je vais pas sauvegarder ma progression. Un avis sur cet épisode. Alors, je le trouve un peu simple en fait, parce que il est assez dirigiste, c'est assez... Ça, c'est pas dur, c'est un truc un peu facile, je pense que ça doit être fait exprès, mais les conclusions, le raisonnement est assez assez facile à faire entre les événements. Bon, à part sur la fin où j'ai eu un petit doute avec la balle, avec les pantoufles, surtout avec la balle en fait, mais ça va. Il y a peut-être un petit bémol, je pense, c'est... Alors, attendez, j'essaye de le retrouver. Si je le retrouve pas, tant pis. Après, je n'arrive pas à cerner le comportement du procureur Gavin, qui à la fois t'aide un petit peu, mais pas trop quand même. Il y a un truc qui se passe, là, c'est... Il y a entre Benjamin Hunter et Francisca, comme je l'ai dit, mais il se rapproche un peu plus de Francisca dans sa manière de faire. C'est très bizarre, ça me perturbe un peu. Dans cette fois-ci, on avait pu faire, dans cet épisode-là, on a pu faire deux fois l'œil. Et ça, j'avoue que je m'attendais à avoir une deuxième fois le même tic, mais en fait non, du coup ça change, c'est plutôt cool. J'imagine qu'à un moment on va devoir trouver plusieurs fois, peut-être 3 ou 4 fois un tic nerveux différent, donc là ça peut mettre un petit peu de challenge. Sur cet épisode 2, je lui mettrais 12. Le premier, je lui mets pour qu'il met l'ambiance, tout ça. Bon, il met l'ambiance, donc du coup, premier épisode oblige, une bonne note. Là, celui-là, je lui mettrais 12-13. On n'est pas trop impliqué, on trouve assez facilement. Pour moi, ça reste facile, rapprochant un peu plus du moyen. C'est moyen facile, voilà. Mais plus dans facile. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette fin d'épisode 2 en ma compagnie jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu, votre feuilleton favori. Et là, je m'excuse encore pour l'émulateur qui prend énormément de proco. Mais c'est comme ça que vous l'avez vu, l'ordinateur n'est pas si puissant. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le commenter. Si vous avez trouvé bien avant moi le déroulé des événements, est-ce que vous avez pensé de l'épisode dans sa globalité? Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et pour ne pas rater la suite de ce jeu qui à la fois est plutôt cool. Hein. Alors le truc que j'ai pas dit, c'est le twist de fin avec le foulard, je m'y attendais absolument pas.